avant de venir à Tunisie, l'Ouganda. On va commencer. Alors, la première boule tirée, le premier équipe sera dans la position A2 avec la Mauritanie dans le groupe A. Le Cameroun, champion de la CAN du 20 en 1995, sera dans le groupe A avec la Mauritanie et ce sera le match d'ouverture même Mauritanie-Cameroun. Décidément. On voit les trois groupes. Voilà alors la composition des groupes. Emmanuel, qu'est-ce que tu penses du tirage au sort? Comment tu vois les groupes et les matchs? Je pense que les groupes sont assez équilibrés, puisque les groupes se valent. Déjà pour mon pays, le Cameroun, puis le match de la Sierra, c'est une chance pour eux, c'est super content pour eux. C'est la première boule que tu as tirée avec le Cameroun. Exactement. Le groupe est très équilibré, et puis je pense que la victoire de match, ça va être bon de voir pour l'instant le chance qu'il y a pour le Cameroun. Ok, merci Emmanuel. Juste pour conclure, la compétition aura lieu, comme j'ai dit, en Italie, dans les villes de Nouakchott et Ouadibo, du 14 février au 6 mars. Voilà la composition du groupe en Italie, Cameroun, Ouganda, Mozambique, Burkina Faso, Tunisie, Namibie, Centrafrique, Ghana, Tanzanie, Colombie et le Maroc. Merci tout le monde et on souhaite bonne chance à toutes les équipes. Merci. Voilà, c'était le tirage au sort de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Voilà, qui se déroulera du 14 février au 6 mars du côté de la Mauritanie. Comme vous l'avez constaté, le Cameroun jouera le match d'ouverture avec le pays organisateur, la Mauritanie, dans le groupe A. Voilà.